Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur ICI Télévision. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie d'Angelo Cadet, qui est le directeur artistique et scénariste pour la toute nouvelle série La Caïnou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Merci. Et vous? Très, très bien. Je suis assistant, directeur artistique. Assistant. Puis auteur. Auteur aussi de la série. On va pouvoir en parler de cette série, ce gros projet qui fait beaucoup parler, en fait, sur nos écrans ces derniers vraiment. Temps. Déjà, pour commencer, j'aimerais dire, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre part au projet? Ben, c'est l'instigateur du projet, c'est Frédéric Pierre, l'acteur, producteur. Nous, on est déjà amis dans la vie, on avait déjà pensé à faire ce genre de projet-là, puis à écrire ce genre de projet-là depuis des années. Mais okay. Frédéric Pierre, je l'avais appelé parce qu'il venait de faire des sketchs au bye-bye, il venait de réaliser des sketchs au bye-bye, donc je l'ai appelé pour le féliciter, puis il a dit « Angie, je veux te parler d'un projet que je veux faire ». Et de là, de fil en aiguille, ben, Catherine est arrivée tout de suite dans l'équipe, et puis on a commencé à écrire sur nos réalités. On est trois générations différentes, moi je suis le plus vieux, Frédéric, ensuite Catherine. Fait qu'on a trois réalités, puis on voulait amener ce côté-là... faire pondre ce projet-là, faire naître ce projet-là, oui. Et qu'est-ce qui, personnellement, pour vous, qu'est-ce qui vous a incité à vous dire, bon, OK, il m'a parlé du projet, je trouve que c'est une bonne idée, c'est sympathique et tout. Puis, est-ce qu'il y a eu comme, je ne sais pas comment dire, un incitatif ou un moment qui vous dit, non, c'est certain, là, je dois faire partie de ce projet, tu sais, j'ai vraiment envie de prendre part à ça. Ou est-ce que c'était comme d'entrée de jeu, finalement, vous avez dit, non, mais dès qu'il m'en a parlé, c'était évident que je saute dans l'équipe. Oui, ce genre de projet, c'est un projet de vie. Fait que quand ça fait 20, 25 ans que tu veux faire ce projet-là et qu'il n'existe nulle part, et que tout le temps on vous dit, quand on dépose des projets de la sorte, du type, on dit il n'y aura pas assez d'acteurs. D'acteurs noirs, par exemple, tu sais. Mais que nous, on est au courant qu'il y en existe. Ça, c'est intéressant, oui. Parce qu'encore faut-il que ça soit viable, tu sais. Ouais, faut trouver des grands-parents, faut trouver des enfants. C'est d'acteurs, finalement. Beaucoup d'acteurs, oui. Puis des rôles secondaires, tout ça. Fait qu'il faut que ça soit crédible. Puis en même temps, l'autre chose qu'on nous disait comme argument, c'était un argument qui était presque pas négociable. C'est qu'on nous disait, peut-être qu'il y aura des. Téléspectateurs, téléspectatrices qui vont écouter de Montréal, mais les gens en région ne pourront jamais s'apparenter à ça. C'est pas quelque chose qui les rejoint, c'est pas des cordes sensibles qui les rejoint. Et c'est faux parce qu'on a vu par la suite que avec la Caïnou, l'écoute se faisait toi, de Bécomo, Saint-Tite, Alma, Trois-Rivières, ça vient de partout, en plus des communautés noires. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites comme contrainte ou comme argument où vous avez dit peut-être il n'y aura peut-être pas assez d'acteurs et que finalement vous saviez qu'il y avait des acteurs en tout cas qui vous pouviez aller les chercher. Comment vous expliquez ça, le fait que, je ne sais pas comment dire, d'un côté c'est comme si on ne sait pas qu'ils sont là, c'est-à-dire peut-être vu d'une certaine production, on ne sait pas qu'il y a assez d'acteurs noirs pour faire ce genre de projet, mais d'un côté vous savez qu'il y a il y a une foule d'acteurs qui n'attend que ça. Mais c'est toujours difficile de vendre un projet de l'intérieur. Nous, on connaît nos réalités. C'est pas tout le monde qui est au courant de toutes les réalités, les aléas, les hauts et bas des aléas des communautés noires. Nous, on sait qu'il y en existe à gauche, à droite, mais souvent, quand les gens voient des comédiens noirs, ils en voient un dans une série, ils font des rôles épisodiques, ils sont là une fois, deux fois, c'est tout. Fait que c'est difficile de faire un répertoire et de rentrer dans la conscience collective. Fait que pour que les gens disent « oui, il y a tel acteur, nommez-moi des actrices noires, des acteurs noirs ». Mais ces acteurs, j'ai envie de dire, ils font aussi, ils prennent place aussi dans des... comment on appelle ça, peut-être dans des écoles, dans des cadres de formation, on les prépare. Donc, on les voit peut-être pas à l'écran, mais quelque part, ils sont dans des agences, peut-être, où on les... Oui, puis il faut dire que les rôles, souvent, sont limités, parce que souvent, si vous êtes un homme noir, bien, on va vous proposer depuis des années des rôles de chauffeur de taxi, quelqu'un qui joue dans une gang, ou bien un personnage un peu bizarre. Donc, c'est limité. Aussi, il faut comprendre aussi que souvent... un texte, ça part de l'auteur. Fait que les auteurs de séries dramatiques ou d'humour québécoises, ces auteurs-là, peut-être, ils connaissent pas les réalités. Ça, c'est une part. Fait que, est-ce qu'ils pourraient peut-être penser à écrire sur nos réalités? D'autre part, c'est que s'il y a un rôle d'un notaire, d'un docteur, pourquoi, même si c'est pas marqué que c'est un homme noir ou une femme noire,
on peut très bien avoir une ouverture d'esprit oui. au niveau du casting, au niveau de la réalisation, au niveau de la production, au niveau de la scénarisation. Fait que ça demande beaucoup d'une réflexion, mais je pense qu'on est là. Je pense qu'on est en 2024, on est rendu là. Il fallait au moins une série, que ce soit La Cainou. Il faut dire qu'il y a eu aussi d'autres émissions qui ont amené la vague Pas te mentir, Après le déluge. La Cainou est là. Fait que tout ça, maintenant, crée un éveil et ça donne du ressort à tout le monde. Mais on peut dire quand même que, est-ce qu'on peut dire que cette série comme La Cainou, qui veut dire en fait chez nous, ou notre maison en créole haïtien, c'est une série vraiment qui reflète en fait, j'ai envie de dire, les péripéties en fait sur un ton humoristique d'une famille sur trois générations en fait, et donc qui est contrainte un petit peu face aux contraintes culturelles et de génération entre des parents qui sont haïtiens, immigrants haïtiens, et des enfants qui sont nés au Québec, finalement. Donc, c'est tout ces péripéties-là qu'on peut voir à travers, dans la série. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu un moment, j'allais dire, historique de voir une telle série aboutir sur les écrans ici au Québec? Bien, oui, c'est un moment historique parce que quand on pense de façon intrinsèque, là, il n'y avait jamais eu une série sur une famille haïtienne, une série télévisée, comédie, dramatique. Au Québec, au Canada, puis dans le monde entier, il y a des films, il y a eu des documentaires, il y a eu des capsules. Donc, c'est une première. Aussi, il faut dire que c'est un thème universel. Les trois générations, les gens s'y réfèrent. Que tu sois Québécois de souche ou que tu sois d'origine arabe ou latine ou bien peu importe, là. Asiatique, ben, les gens s'y réfèrent. C'est ça. Et puis même, il y a eu des grandes familles au Québec, les Ploufs, les Bougons, tout ça. Fait que les gens sont très sensibles à ça, puis ils s'y réfèrent beaucoup. Donc finalement, j'avais dit, il fallait quand même avoir, comme on dit des fois, quand on veut voir quelque chose fait un petit peu à notre façon, il faut le faire. Finalement, il fallait que derrière la caméra, il y ait vraiment trois personnalités, j'allais dire haïtiennes, qui souhaitent vraiment voir ça aboutir pour qu'aujourd'hui on puisse voir une émission comme ça, une série, j'aime dire, comme ça aboutir finalement. Je veux dire, sur les enjeux sur lesquels vous abordez, sur le fait d'avoir une famille haïtienne, ces problèmes, j'aime dire, un petit peu de génération et de culture, il fallait vraiment que des personnes qui le vivent ou l'ont vécu ou qui sont proches des personnes qui l'ont vécu les abordent pour pouvoir le voir finalement. Oui, ben. Vous avez parlé des gens qui sont derrière la caméra. Je pense que c'est un tour de force. Et puis, il faut lever le chapeau à Frédéric Pierre, à ce titre-là, qui a créé une maison de production qui s'appelle Jumelage. Donc, il est aussi devenu producteur de l'émission, auteur principal. Donc, aussi, il a su créer Jumelage. La mission de Jumelage, c'est de créer des postes, encadrer des postes, faire du mentorat. Donc, il a formé 4 postes clés à la réalisation, à la direction artistique, à la production et à la direction de production. Donc, c'est beaucoup. Et en plus, en tout et partout, si on compte les personnes qui sont devant et derrière au niveau de la communauté ou des communautés noires, il y a plus de 100 personnes. C'est du jamais vu. C'est énormément. Donc, devant et derrière la caméra, on retrouve près de 100 personnes noires. Quand on était sur le plateau le matin, on arrivait, puis bien sûr, c'était en majorité noire. Ben, il y avait bien sûr des Québécois qui sont aguerris à tous les postes, là, qui sont là depuis... Tu veux faire une série, c'est énorme, une série, pendant 2 mois et demi, préparée et sans compter la pré-production. Fait qu'il faut être des assises assez fortes. Bien sûr qu'on pense que les premières émissions qui sont créées aux États-Unis avaient du staff blanc. Là, mais de toute façon, c'est pas ça. L'ultime but, c'est pas ça. L'ultime, c'est de raconter une histoire, raconter nos histoires, raconter nos origines, finalement. sur diverses phases, diverses chapitres. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Et puis, c'est surtout en plus sur un ton humoristique. Donc, c'est vraiment très intéressant. On va faire une petite pause et on continue d'en parler juste après la publicité. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours sur ICI Télévisions. Dites-moi un petit peu, Angelo Cadet, beaucoup vous ont connu parce que quand même vous avez, j'ai envie de dire, une longue carrière dans l'industrie. On vous a connu comme comédien, animateur, scénariste, metteur en scène. Vous avez tenu quand même beaucoup de rôles différents. Vous êtes ce qu'on appelle vraiment un talent multidisciplinaire vraiment dans l'industrie. Et aujourd'hui, avec cette série, La Cainou, c'est une série donc de 10 épisodes, de près 22 minutes qu'on va pouvoir retrouver sur les écrans. Moi, je me demandais un petit peu le choix, parce que vous êtes aussi, comme on a parlé tout à l'heure, scénariste. Le choix de La Cainou, donc c'est une série, comme on l'a dit, une série d'une famille haïtienne. Mais le titre La Cainou,
qui veut dire encore une fois chez nous ou notre maison, le choix de l'avoir gardé en créole haïtien, pourquoi? Parce que tu aurais pu le dire en français, et puis... C'est vrai, mais je pense que c'est justement le trait, c'est la caractéristique propre de l'émission. Donc, ça amène un côté d'ouverture d'esprit, bienvenue chez nous, et un côté chaleureux. Et tout le monde aime apprendre un petit mot créole, vietnamien ou maghrébin. De toute façon, au Québec, la nouvelle langue du Québec chez les jeunes, c'est parler d'un joual très métissé, avec du créole, avec de l'arabe et tout ça. T'sais. Fait que je pense que l'acadien a sa place. Inch'Allah à sa place et tout ça. Donc c'est vraiment un choix, vraiment comme, j'allais dire, volontaire, vraiment d'avoir de garder un mot haïtien. Je pense que ça amène l'esprit, puis ça on n'a pas besoin de le définir, on n'a pas besoin de s'expliquer. Les gens, au début, disaient laqué, mais après ça, c'est une fois que c'est rentré un petit peu, j'allais dire, dans le langage. Et puis en même temps, vous avez fait rentrer peut-être un mot maintenant qu'on va tous un peu employer comme dans notre langage courant, puis... Peu importe la nationalité. Aussi, il faut comprendre que le Québec est une nation, un peuple qui est très, très hospitalier. Fait que le fait, je pense qu'on peut... Ils nous ont toujours invités à aller chez eux. Fait que c'est pour rendre l'appareil aussi, là, si on va plus loin dans l'explication. OK, parfait. Mais là, on va revenir un petit peu tout à l'heure. On a parlé du tournage et vraiment de la diversité donc derrière, devant l'écran. Moi, je me demandais un petit peu, donc, justement, c'était quoi l'ambiance du tournage? Vous qui avez quand même vu plus d'un tournage, j'ai envie de dire... qu'est-ce que vous avez vu de différent, du coup, sur celui-là? J'ai vu comme l'histoire en direct, une expiration, un bonheur de voir que... Catherine Souffrant en avait parlé, tout le monde en parle, mais de voir les gens au CCM, ce qu'on appelle la coiffure, costume, maquillage. Okay. C'est des postes clés. Et pour n'importe quelle femme, peu importe où vous venez dans le monde, c'est important de savoir comment vos cheveux vont sortir. Vous avez une façon de vous maquiller. Alors là, quand c'est au niveau de nos racines, nos cultures, on sait que la coiffure, c'est historique. C'est même presque de l'architecture. Ça demande de la minutie, ça demande de la dextérité. En effet, c'est de l'art. Donc, il faut avoir les bonnes personnes. Et en ayant les bonnes personnes, mais il faut savoir des gens qui ont de l'expertise, qui sont déjà dans le milieu, qui sont déjà de cette culture-là, c'est important. Donc, il y avait cette chaleur-là, cette assurance-là. Et il y avait d'autres postes clés. Il y a des gens qui s'occupent du casting, des gens qui s'occupent des figurants. La réalisation, il y a des assistants, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi les figurants, les acteurs qui sont là. Fait que ça, c'est incroyable parce que quand cet été, vous allez voir d'autres plateaux de tournage, essayez de voir l'énergie qui se passe là-dedans. Mais c'est rassurant de voir que quand on raconte une histoire, c'est nous-mêmes qui dirigeons, qui dirigeons le narratif, je pourrais dire vraiment. T'sais. Finalement, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, j'ai envie de dire, il y a eu un encadrement complet, même au niveau des acteurs. Ils ont pu vraiment être encadrés de manière vraiment complète. Puis, comme vous dites, vraiment avoir, j'ai envie de dire, un service vraiment qui les ressemble, tout simplement aussi. Parce que c'est vrai que c'est marquant, on entend beaucoup ça souvent, même au niveau des mannequins, dans les défilés, même dans de très grands défilés, qui se disent jusqu'à aujourd'hui encore qu'ils n'ont pas forcément les maquilleuses qu'il faut, qui connaissent leur teint ou qui connaissent leur type de cheveux. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que. Vous avez été jusque-là, j'ai envie de dire, en arrière de la caméra, pour vraiment que les comédiens, les acteurs soient à leur meilleur, finalement. Oui, mais il y a deux choses. C'est que ça crée une industrie, ça rassure une industrie, c'est vrai. Ça forme une industrie. En même temps, ça évalue nos standards, c'est-à-dire qu'on élève nos standards. Moi, je suis quelqu'un qui aime la mode, mais par contre, j'aime pas qu'on doit évaluer nos standards à des... Que si c'est pas Chanel, ça veut dire que... C'est pas de la mode. Tu t'es pas valorisé. Mais non, au contraire, tu peux te revaloriser parce que tu le portes d'une autre façon. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, nos standards sont très, très hauts et qualifiés. En tout cas, c'est vraiment intéressant et je trouve ça vraiment bien, encore une fois, d'avoir ce genre d'accompagnement. Et je me disais un petit peu, parce que la série La Kainou, on entend beaucoup de producteurs, de diffuseurs, ils disent qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui ont été pitchés, mais qui n'ont jamais abouti. D'après vous, pourquoi La Kainou s'est passé? Pourquoi cette fois-ci, ils ont embarqué et ils ont dit « OK, on va... » Qu'est-ce qui a fait peut-être la différence, d'après vous, qui fait qu'aujourd'hui, on l'a sur nos écrans, cette série-là, elle est passée?
Beaucoup de choses. Des fois, c'est le timing. Des fois, c'est on est en plein dans l'époque. C'est ce que j'appelle faire son Google Map, c'est-à-dire c'est where you at, où est-ce que tu es C'est vrai. présentement. L'histoire est un peu s'inscrit et s'écrit de cette façon-là. Des fois, c'est la thématique aussi, peut-être que la thématique de la La famille, famille ça plaît et beaucoup, ça. en plus au Québec. Puis l'autre chose, c'est qu'on a apporté l'idée de parler du black love, de parler de notre humour, de parler de nos joies et non pas de tout ce qu'on parle déjà dans les journaux, les médias, le côté misérabiliste, le côté des gangs, le côté de la Les violence, dramatiques, le oui. côté de la pauvreté. Nous, on a choisi autre chose, un peu comme Cosby Show l'avait fait aussi. Il avait choisi d'amener un statut social assez élevé. C'est un docteur, un médecin assez réputé, qui vivait très, très bien, là. Oui, ça fait plaisir un petit peu, je pense, de voir un petit peu, comme vous dites, les péripéties de cette famille sur un ton humoristique. On va faire une autre pause et on revient dans un instant. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, toujours sur Ici Télévision. Dites-moi un petit peu, Angèle Cadet, on a parlé pas mal de La Caïnoute, cette série aujourd'hui qui fait parler, qui vient de sortir, vraiment avec les péripéties vraiment d'une famille haïtienne. Mais c'est aussi, on parle beaucoup d'humour, c'est une comédie. Bon, ça dénonce aussi, j'aimerais dire, ça dénonce, ça parle, ça aborde aussi des sujets, des tabous, des enjeux, j'aimerais dire, de la société et même de la communauté haïtienne. Comme la santé mentale, qu'on retrouve aussi, et puis aussi évidemment tout ce qui est un peu LGBTQ+. Donc, est-ce que c'était vraiment comme quand vous étiez au moment de l'écriture, du scénario, c'était vraiment comme important pour vous d'aborder quand même sur un ton humoristique, ce genre de sujet? Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne parle pas dans la communauté et les générations changent, les gens évoluent et ce que vivent les jeunes des nouvelles générations, ben, eux, ils ont d'autres ouvertures que les grands-parents n'avaient pas. Fait que ça aussi, les confrontations comme ça, c'est intéressant au niveau de la comédie, mais aussi au niveau de la réalité, au niveau de qu'on appelle le check-in intérieur, on peut dire. Fait que ça, c'est des choses qui sont incontournables. Il fallait amener des thèmes, je pourrais dire 2024, qui se vivent dans nos communautés, mais qu'on ne parle pas souvent. Alors, on sait très bien que la santé mentale, ça, c'est des choses que peu importe les Antilles, on ne parle pas en Afrique non plus, avoir un psychologue ou de faire de la thérapie. Le côté LGBTQ, on sait aussi, c'est très, très fermé, très tabou, mais ça existe. Je pense que c'est une façon de crever l'abcès. Et moi, je pense que ça amène d'autres leviers dans l'émission, d'autres leviers au niveau de la comédie, d'autres leviers au niveau des réalités, sans en faire une caricature. Et que c'est important, autant que on va un petit peu plus dans l'extrême avec le personnage du père Moïse. C'est vraiment pour illustrer ces pasteurs-là. Puis en même temps, la communauté aussi est un personnage. Fait que ça aussi, c'est la pression qu'on ressent de la communauté. Qu'est-ce que la communauté vont dire? Fait que tout ça aussi, c'est latent. C'est un sous-texte qui est intéressant à exploiter. Et maintenant que les épisodes sont sur les ondes, sont disponibles et tout, que maintenant vous avez eu quand même, j'imagine, certains retours un petit peu du public et j'imagine de vos proches et donc peut-être de certains Haïtiens, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez eu comme retour, vous personnellement? Je veux dire, est-ce que vous vous dites, je ne sais pas, à qui vous avez parlé de la santé mentale, ou je ne sais pas, ça, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, je me retrouve un petit peu dans les personnages, ou c'est qu'est-ce Tout qu'ils le vous disent? monde. Premièrement, il s'est créé un rituel incroyable avec La Caïnoute, c'est que les gens l'ont écouté en famille, en gang. Les gens sont allés chercher de la bouffe haïtienne, Oui, c'est ils vrai, allaient c'était un chercher leur moment. colas La Caï, leur griot, leur riz djon-djon et leur banane pesée. Donc, ce que ça veut dire à travers ça, c'est que ça veut dire qu'on vivait une expérience qu'on attendait depuis longtemps. On sait que les gens sont friands de faire des commentaires pendant qu'ils écoutent des C'est choses. sûr. Et donc, ça fait du bien. Et j'ai oublié le début de la question, mais ceci dit, c'est du nouveau. On avait besoin de ça. Et les diffuseurs, c'est sûr qu'ils le voient. Alors, les commentaires que j'ai Oui, vous reçus, avez reçu. c'est de toutes parts. Autant, au début, c'était une grosse, grosse vague des communautés noires. Ou Haïti en l'occurrence, mais après ça, c'était mes amis québécois, comme j'ai dit, de toutes parts, de toutes les régions. Après ça, il y a eu une grosse vague des gens de l'industrie artistique.
Oui, de ce qui non, mais le vraiment milieu, des gros noms qui faisaient des partages à J'adore la Caïnou. Fait que je pense que ça a touché de façon favorable. Ça a mis un nouveau souffle, un nouveau vent d'espoir, quelque chose qui a rafraîchi, ben, tu sais, je ne vais pas me vanter de ça, là, mais je veux dire, je pense que ça fait du bien, ce nouveau souffle à l'industrie télévisuelle. Ouais. Est-ce que vous pensez, là, ce que vous dites, c'est intéressant que les gens se sont rassemblés, tu sais, ils ont appelé un peu leur famille, c'était un moment, je veux dire, familial pour regarder cette série. Il y a beaucoup de séries aujourd'hui qu'on ne peut plus trop regarder en famille. Beaucoup le disent, non, on ne peut pas la regarder en famille, il faut couper ici, il faut couper ici, il faut couper ici. Est-ce que quand vous avez pensé, justement, écrit cette série, vous vous êtes dit, oui, on parle d'une famille, mais on veut aussi que ce soit, comme vous l'avez dit maintenant aujourd'hui, un moment, une occasion, qu'on se réunisse en famille, qu'on peut regarder cette série confortablement, avec plusieurs générations. Et c'était pensé aussi comme ça? Oui, ben, c'est des questions qu'on se pose quand tu démarres un projet comme ça. Tu peux pas, c'est l'ultime, c'est une quête. Tu dis, on espère que les gens... On espère que ça va plaire à tout le monde. Mm-hmm. On espère que quand on va parler des jeunes, ils vont s'identifier, ils vont pouvoir l'écouter. Et les gens de la génération de mes parents, par exemple. Tu sais. Mais c'est quelque chose que tu peux pas prévoir, c'est pas quelque chose que tu peux calculer ou contrôler, mais ça arrive, c'est un phénomène. Ça fait qu'un phénomène, tu le vois en grandissant, et on est vraiment au-delà de nos espoirs. C'est vraiment un gros succès, là, quand nous, on est contents, là. Et finalement, on a déjà annoncé donc une saison 2. Oui! Yeah! Qui s'en vient. Et la première journée de lancement s'est faite le 18 janvier à Radio-Canada, puis de tout go, on a presque débuté la conférence de presse, j'ai trouvé mes mots, en disant qu'il y allait avoir de tout go une deuxième saison. Ça, c'est vraiment un signe de confiance comme diffuseur Radio-Canada. Ça, est-ce que vous, j'aimerais dire vous, quand je dis vous, c'est-à-dire vous, Frédéric Pierre et Catherine Souffron, quand vous avez écrit, que vous écriviez, je veux dire, au début, vous pensiez déjà à plusieurs saisons où vous êtes dit, on va commencer avec un, puis on verra, puis aujourd'hui, vous êtes surpris, en fait, que... Bien, quand tu penses à faire une série, il faut que tu penses à ce qu'on appelle la courbe narrative, la courbe vraiment émotive aussi des personnages de l'émission en tant que telle. Fait que oui, tu dois penser à première, deuxième, troisième saison, mais tu dois te concentrer sur la première. En effet. Ouais. Fait que si, dans le fond, il faut que tu aies assez de carburant pour en écrire deux, c'est trois, vrai. Quatre, cinq. En tout cas, on est vraiment ravis et on attend avec impatience la saison 2. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie. On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.